On voit quand même que cette politique, très vite, est extrêmement contestée aux États-Unis. Il y a eu des manifestations, même dans certains aéroports concernés. Comme d'habitude. À l'étranger également. Madame Angela Merkel a dit, par exemple, que c'était totalement injustifié de s'en prendre comme ça à des réfugiés. Est-ce que vous pensez que M. Trump va continuer, va élargir même la liste des pays concernés? Ça dépend. Si il y a beaucoup de terroristes qui viennent des autres pays, bien sûr, on va ajouter sur la liste. La liste des pays, c'est que 7 pays où on a trouvé beaucoup de problèmes, les terroristes qui sont venus de ces pays. Alors, il y a un problème. On doit régler le problème. On ne peut pas avoir les frontières grandes ouvertes et dire, oh, peut-être on peut résoudre un problème quand les frontières sont ouvertes. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ni avec l'Afghanistan, le Pakistan, l'Arabie Saoudite? Peut-être.